La Corse n'a pas toujours été une île en Méditerranée. Le saviez-vous? Bien sûr, il y a longtemps, si longtemps, tant de millénaires, que dis-je millénaires, tant de millions d'années, que presque tout le monde a oublié ce temps où Corse, Sardaigne, Sicile, Botte italienne, faisaient partie intégrante de l'actuelle Provence et Côte d'Azur. Résultat d'un formidable bazar appelé tectonique des plaques. Générant de gigantesques plissements montagneux, des éruptions volcaniques, comme on n'en verra plus de sitôt. Fera l'Europe se déplacer, se positionner face au continent africain. Parce qu'avant, c'était différent. Au Miocène, période infernale, bénie ou maudite, comme on voudra, l'ouverture de la dorsale méditerranéenne conduira Corse et Sardaigne à se séparer de l'actuelle Provence par un vaste mouvement rotatoire de 30 degrés impliquant tout l'ensemble, disons entre moins 21 et moins 15 millions d'années. Qui est curieux constatera, né sur la carte, le pourtour de ces îles s'emboîter dans la découpe des côtes provençales. Imaginez la zone occidentale, Porto, Ajaccio, avec des roches semblables à celles retrouvées dans le massif des Maures et le golfe de Saint-Tropez. Accepteriez-vous de croire le Cortenay partager des roches avec la région de Briançon? Ou encore Bonifacio et ses grès de calcaire correspondre aux roches des Alpilles et aux falaises calcaires de Cassis et de La Ciotat? La région de Porto Vecchio partageait des roches avec l'Estérel, et celle du Monte Cinto se retrouvait sur Saint-Raphaël et les plages d'Agui? Et enfin, expliquer la présence d'amiante dans le Cap par le voisinage de Gênes et de Menton? Difficile à croire vu la distance. Alors, nous sommes allés vérifier pour vous. Et on a ramassé deux pierres de porphyre. L'une dans le massif de l'Estérel, entre Cannes et Fréjus, l'autre dans les Calanques de Piane. Bien que distantes de 200 km, en les analysant, on a constaté même âge, même composition chimique et même aimantation. L'aimantation, un critère qui ne trompe pas. Elle apparaît au moment du refroidissement des laves. Admettons cela. Donc, la Corse, un bout de continent devenu île, et qui le restera? Non, vous n'avez pas bien saisi. Tout est mouvement. Le formidable continent africain bouge lui aussi. Il remonte lentement, repoussant sans ménagement tout l'ensemble, Sardaigne, Sicile et Corse. Fatalement, viendra le jour où ces îles magnifiques retourneront se fondre dans le continent. Autrement dit, nos lointains descendants emprunteront le GR20 pour se rendre de Bonifacio à Marseille.